Ouais, bien ou quoi? Tranquille ou quoi? Ouais, tranquille. Alors là, mesdames et messieurs, quelle tristesse absolue de voir encore une fois Neymar sorti en béquille. Neymar encore une fois sur la civière. Neymar encore une fois blessé. Alors que là, nous sommes même pas encore en février. Tu te rends compte? Ça veut dire que là, il s'est réellement blessé. Il s'est pas blessé pour aller faire la fête à Copacabana ou à Rio de Janeiro. Non, il s'est pas blessé pour aller s'amuser avec sa petite sœur. Ah, non. Là, il s'est blessé de manière radicale. Ce qui veut dire que Neymar ne va pas être sur les terrains avant longtemps. Surtout qu'on était en train de voir qu'il était dans le déclin. On a regardé son match. On a commencé à avoir les larmes aux yeux. C'est lui qui nous faisait rêver depuis qu'il a 16 ans, à Santos. Avec ses coupes de cheveux de malade mental. Regardez maintenant comment il termine. Hein? Il n'arrive même plus à faire de dribble. Il n'arrive même plus à faire de crochet. Et maintenant, il se blesse. Et apparemment, la blessure a l'air très très grave. Oh là là, Neymar. Quelle tristesse. Quelle démagogie. Quelle preuve de manque de déontologie. Quelle preuve de manque de psychologie. Tout ce qui se finit en J, là, c'est pas bon, Neymar. L'analogie, les bougies, il n'y a rien qui va. Rien qui va. Oh là là, Neymar, tu étais au Paris Saint-Germain. Tu étais considéré comme la pierre angulaire du Paris Saint-Germain. Hein? On t'a viré. Tu as commencé à pleurer et à dire que voilà. Toi, nanani, nanana, blablabla, ouais, le PSG, blablabla. T'arrives en Arabie Saoudite, t'arrives même plus à faire un contrôle. T'arrives au Brésil, tu fais un match bien, un match on te voit pas. Maintenant, tu viens au Brésil, tu te blesses de manière à ce qu'on ne te voit plus avant longtemps. Oh là là, mais quelle malchance. Qui est-ce qui t'a lancé un sort? Il va falloir que tu regardes autour de toi au Brésil. Ouais, parce que là, il y a des gens, sorciers, brésiliens, qui sont là en train de faire un genre, ils dansent. Mais en fait, ils sont en train de te lancer des sorts. Mais bien sûr, toi, tu vas au carnaval. Tu es là, sauf qu'il y a des sorciers qui sont en train de s'occuper de ta jambe. Regarde, chaque année, tu t'es blessé. Depuis que tu as quitté le FC Barcelone, là, c'est du grand n'importe quoi, comment tu te blesses. Est-ce que le marabout ne vient pas du FC Barcelone? Hein? C'est là-bas qu'il faut chercher. Neymar a été littéralement ensorcelé par un sorcier espagnol. Ça, c'est du jamais vu. Voilà. Donc, il a osé quitter le FC Barcelone pour le Paris Saint-Germain. Et depuis, il se blesse chaque année. Voilà. Il n'y a pas une saison où il ne se blesse pas. Tu comprends? C'est n'importe quoi.